Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la Coupe de l'Amérique, en fait, c'est très simple. C'est très simple parce que l'on connaît la date de fin de la 34e à San Francisco, c'est septembre 2013, et parce qu'on connaît la date de début donnée par les Américains le jour où ils ont édité la jauge. Si vous faites un seul bateau, ce qui est le cas des Coréens dont on n'a pas encore vu le début d'un dessin, ce qui est le cas des Italiens qui en ce moment phosphore à côté des Néo-Z dans le viaduc bassin, c'est aussi simple que ça. Trois autres équipes nous ont dit qu'elles allaient faire deux bateaux. Deux bateaux, mais regardez, c'est pas tellement plus compliqué. Pourquoi ? Parce que je connais toujours la date de fin qui est la même. Et par contre, il faut que je puisse naviguer avec le premier pour commencer ici la construction du second. Donc, quel temps je mets dans la navigation ? Quel temps je mets dans la construction ? C'est tout le problème. Les Néo-Z en ce moment naviguent tous les jours dans l'Oraki Gulf pour avoir beaucoup de données. Les Suédois d'Artemis ont choisi de livrer le bateau à San Francisco maintenant en octobre-novembre, parce que octobre-novembre c'est 22 de vent et ça permet d'avoir des bonnes données dans du vent soutenu. Et c'est le problème important des Américains qui ont cassé ici leur foil et qui pendant 2 mois ne pourront pas naviguer. Et il se peut qu'ils terminent à Hawaï pour aller chercher du vent soutenu. Dans tous les cas, ce qui est difficile c'est ça. Quel temps je laisse pour construire le bateau numéro 2, sachant que ça, c'est incompressible parce que la météo est compliquée, il faut beaucoup de temps. Et que le dessin, c'est aussi incompressible. Si c'est pas bien dessiné, c'est pas bien construit. Ce sont toujours les boat builders qui ont la pression sur les épaules. J'ai eu la chance de gagner 3 Coupes de l'América. Et ces 3 Coupes de l'América ont été gagnées parce que nous avons bien navigué sur l'eau, mais parce que le socle était solide. Et le socle, ce sont des boat builders incassables, quelle que soit la pression qu'on leur impose. Bonne semaine, bonne navigation, au revoir.